Dans le centre-ouest, le conseil régional du patronat a tenu à Kourougou une assemblée générale constitutive. L'objectif de cette assemblée est la mise en place du bureau du patronat de cette localité. Et c'est Inoussa Baguedi Koudous qui est mandaté pour 5 ans. La cérémonie d'installation avec Daouda Ouattara, Sayouba Souré et Moussaki. Voici le tout nouveau président régional du patronat du centre-ouest. LH Inoussa Bagué dit Koudous, désigné par ses pairs et qui prend ainsi la gestion des hommes d'affaires au moment où le monde économique joue une carte de résilience face aux défis sécuritaires et économiques du moment. La nouvelle équipe a 5 ans pour redynamiser le secteur. Nous sommes 16 membres dans le bureau, plus 5 conseillers. Après notre installation, nous allons tenir des rencontres pour adopter une feuille de route. Nous allons également échanger avec tout le monde, ainsi que le patronat burkinabé, pour la réussite de notre mission. Donc ensemble, on va travailler, essayer de proposer des actions pour accompagner le président à ce qu'on puisse développer le centre-ouest. Vous savez, aujourd'hui, dans leur discours, quand vous voyez tous les discours qu'on a mis, c'est le volet création d'emplois et le volet industrie qu'ils ont mis en exerce. L'un des défis qui attend cette nouvelle équipe est le rassemblement de tous les opérateurs économiques du centre-ouest autour de l'amélioration des affaires. Et à cette cérémonie d'installation, le gouverneur prêche l'union de tous les acteurs économiques de la localité. Conduire des hommes demande beaucoup de dextérité. Le management humain demande de la patience, demande par moment même de jouer la poubelle. C'est pourquoi donc nous avons demandé à M. Bagué d'être la poubelle, d'être à l'écoute donc de ses opérateurs économiques qui sont ses confrères, qui sont ses collègues et avec qui il doit travailler. La déconcentration du patronat est voulue par ses premiers responsables pour donner un nouveau souffle au monde des opérateurs économiques. Elle permet également d'impacter les jeunes ayant des projets innovateurs à travers un accompagnement financier et des conseils avisés.